peu en retard. Putain, gros plan sur la canne. Attends, 2 secondes, je reviens. Allez! Bon, on fera avec, hein. Le soleil, là. Putain, par contre, la coiffure, mon dieu. J'ai même pas le temps de passer un petit coup de peigne, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est le week-end. On s'en branle. Alors, on passe en jeu rétro, du coup. Tac. Attends, faut que je prenne la manette, du coup. Ça c'est bon. On va faire vite fait quand même le tour des streamers au cas où. Tant que j'y pense. Savoir qui est en train de jouer ce matin. A mon avis, pas grand monde. Samedi matin, c'est toujours calme. Hein, on a le sage qui est connecté apparemment. Apparemment, il fait du Dying Light. D'accord. Très bien. Sinon, j'ai IT63 qui est sur Resident Evil 4 Remake, j'imagine. J'imagine soit le remake. On le fera le remake un jour, mais quand il sera pas cher le jeu, parce que c'est bon quoi. On va pas foutre 50 balles dans un jeu que j'ai déjà fait, même si j'ai adoré Resident Evil 4. Hein. Même si ça vaut pas les anciens, enfin bon. Enfin, disons que Resident Evil 4, en fait. Il n'y a que le début qui est intéressant. Après, ça devient con. Ça devient complètement con. C'est... Je sais pas. Moi, toute la partie village, j'ai adoré. Ça, c'était vraiment... je sais pas, ça faisait vraiment film d'horreur, tout ça, là, avec le village. Mais alors, à partir du moment où c'est passé au château, je me suis dit, oh, c'est nul. Le château, j'ai détesté. Autant l'île encore, l'île. Même si, honnêtement, ça casse pas des briques, hein, l'île. La partie de l'île, la dernière partie, mais ça va. ouais. La partie de l'île, elle fait clairement hors sujet, mais... non, honnêtement, ça allait. Surtout avec les régénérateurs. Ces saloperies là qui se régénèrent sans cesse tant que t'as pas buté les parasites en eux. Remarque, ils finissent quand même par mourir. Hein.
Mais si tu les tues pas de cette façon, tu gaspilles pas mal de munitions quand même. Alors, Uncharted Waters New Horizons. On va enfin le commencer. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que. Pouh. On l'avait testé une première fois, mais le problème c'est qu'il y a eu un problème avec RetroArch et du coup ça avait planté. Enfin, RetroArch s'était fermé tout seul, comme un grand, je sais pas pourquoi. Mais bon. Hop. Une nouvelle partie. Sélectionner un personnage. On va sélectionner lui. Le fils du duc Léon. Qui est apparemment Léon, c'est le duc. Enfin le duc. Enfin là oui, mais c'est apparemment c'était le personnage qu'on incarnait dans le premier. On savait pas comment il s'appelait. Ben, là on le sait maintenant. Est-ce que tu veux changer mon nom? Non. Est-ce que tu es prêt à démarrer le jeu? Oui. Maître, maître. Où avez-vous encore couru cette fois? Il disparaît toujours aussi vite. Ah, s'il me trouve, il me fera de la lecture pour... il me fera un cours pour toujours. J'imagine que je devrais aller au café, mais ça fait un moment que j'y suis pas allé. Tiens, si c'est pas. Si ça faisait pas longtemps, Maître Joao. Toute seule. C'est bon, il y a le son sur le téléphone au cas où. Alors, où j'en étais? Ah oui.
Hey Joao, est-ce que ça te dirait pas de jouer un petit peu là avec ton luth? Ça... J'ai envie de chanter. Lucia, tu devrais être plus poli avec le fils d'un noble. Ah, oh, vous inquiétez pas, Lucia et moi on a été amis depuis toujours. Au fait, Joao. Rocco est venu ici pour dire qu'il te cherchait. Il a dit que le duc t'appelait. Pas vous appelez, ouais, putain, vu c'est un noble, donc on le voit. Mon père? Très bien. Je m'excuse, mais je dois y aller. Oh, Joao. Tu t'en vas déjà? Ça, je me rappelle ce passage, c'est pas particulièrement passionnant, hein. Je vais faire une sauvegarde, en cas que ça plante. Comme ça, je vais pas me retaper les dialogues là parce que. Remarque, non, faut que j'aille voir d'abord Rocco, non? Bienvenue, maître Joao. Le duc Franco vous cherchez. Bien le bonjour, Joao. Salut Marco. Le duc vous attend. Père. T'es de cette famille. M'avez-vous demandé? Ah, Joao. J'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que ton talent d'escrime a augmenté, s'est amélioré? Comparé à... Oui, comparé à avant. Mais je pense que je serais plus chanceux d'avoir... Avoir... Il y a du jargon en escrime, là, donc... J'ai l'impression que ouais, je serais chanceux si je vous battais, père. Est-ce que tu as appris tes leçons de navigation? J'ai fini mes études, mais... je pense que... Que rien n'est plus inutile qu'une éducation sans de la pratique. Enfin, en gros, ouais, la théorie... Pour lui, la théorie ne vaut rien s'il n'y a pas de pratique. Ok. Je vois. Est-ce que tu maîtrises la géographie? Ben, depuis que je n'ai plus le droit de quitter Lisbonne, tout ce que j'ai appris, c'est dans les livres. Ne t'en prends pas aux livres. Le conseil des autres peut être inestimable. Souviens-toi de ça, Joao. Bon, et ce luth alors? Non, c'est juste un hobby, père. Je ne suis pas très doué pour jouer en public. Vraiment. Ta mère m'a pourtant mentionné que tu avais une très bonne réputation avec ses amis. Vous devez plaisanter. Un de ces jours, je te demanderai de jouer pour moi. Bon, Joao. Retour. Parlons business. Parlons business, fils. Oui, monsieur. J'ai quelque chose de très important à te dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, père? Comme tu le sais, quand j'avais ton âge, j'étais déjà en mer à combattre les pirates et les maraudeurs, j'imagine que ça va être maraudeur. J'ai déjà entendu ça. Et le voilà reparti. Jusqu'à maintenant, je t'ai interdit de quitter le port, dû à ton âge et inexpérience. Cependant, les hommes de Franco ne peuvent pas vivre
sur Terre pour toujours. Tu as déjà assez de savoir. Ce que tu as besoin maintenant, c'est de l'expérience. Je veux que tu cherches l'aventure. Vivre la vie enfin, au jour le jour, j'imagine. Si je peux traduire à la One Again. Comme je l'ai fait. Oui, monsieur. Et j'ai une importante tâche à te confier. Va et trouve le secret de l'Atlantis. Enfin, d'Atlantis. Le secret d'Atlantis? Que voulez-vous le dire? Eh bien, c'est quelque chose que tu devras découvrir par toi-même, mon fils. C'est une tâche difficile et il y aura beaucoup d'obstacles sur ta route. Enfin, ouais, je pense ça. Mais il est urgent que tu le trouves. De plus, j'ai ordonné aux habitants de te traiter comme quelqu'un de quelqu'un, enfin comme quelqu'un de, comment on pourrait dire? Comme un habitant normal, quoi, pas un fils de noble ou pas un étranger, mais comme une famille, quelqu'un d'une famille modeste. Donc prépare-toi en conséquence. Ton navire a été construit. Tu devras bientôt partir, donc tu ferais mieux de te préparer rapidement. Bonne chance, mon fils, rends-moi fier. Rocco, Rocco, où es-tu? Putain, le chat qui veut rentrer. Ah, ce qui est chiant. Monsieur, je suis là. Je te laisse en charge de son éducation. Apprends-lui comment devenir un vrai marin. Bien sûr, capitaine, je veux dire, monsieur le duc. N'y va pas de ma morte avec lui parce que c'est mon fils. Fais-le devenir un homme, Rocco. Trouve-lui une donzelle. Allons, ok. Ok, Rocco. Mais d'abord, je dois dire au revoir à Lucia et Carlotta. Je crois que c'est là.
Maître Joao, qu'est-ce qui se passe? Toute la ville est... Toute la ville, je sais pas quoi. Vas-tu vraiment partir pour un voyage en mer? J'en ai bien peur. C'est la tradition des Franco, après tout. Par contre, je ne suis pas sûr que... Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'argent? Pourquoi ne pas devenir une bande de troubadours? Non. Je serais ravi de chanter pour toi. À moins qu'elle veuille se faire recruter sur le navire. Comme barde, je sais pas. Allons, Lucia. Arrête tes bêtises. Maître Joao, voici 1000 pièces. Prenez-les, s'il vous plaît. Ouais, et moi qui pensais que ce café n'était pas populaire du tout. Mais je vois que vous avez réussi à économiser un peu. Maître Joao, s'il vous plaît, acceptez ce cadeau. Non, je suis désolé, mais je ne peux pas. Je ne serai incapable de vous le rendre. Ne t'inquiète pas pour ça. Normalement, je ne suis pas censé le dire, mais... cet argent vient de votre père, le duc. Il a dit... Veuillez donner ceci à Joao s'il vient vous voir. Mon père... Ok. Tout ça c'est bien beau, mais nous aurons besoin d'un peu plus de monnaie, enfin d'un peu plus d'argent, si nous voulons aller plus loin que Lisbonne. Bon sang, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Votre mère pourrait nous aider. Mais comment? Je ne suis pas autorisé à rentrer dans la maison. Ne t'inquiète pas, je t'enverrai un message. Lucia. Putain, comme elle est passée par-dessus le comptoir. Hop là. Me revoilà. Alors, comment ça s'est passé? Elle veut te voir à la maison entre 10h et... Enfin, entre 22h et minuit. Reste dans les parages et retourne-y à 10h du coup. Ok. Pour dire à l'aubergiste combien de temps tu as besoin de te réveiller. Dis-lui simplement quand tu voudras te réveiller à 8h du matin. Mais je veux pas me réveiller à 8h du matin, je veux revenir à 10h du soir. Merci pour le conseil, Carlotta. Merci, Lucia. Hello, Crux. Hop, on va re-sauvegarder. L'auberge, ça doit être ça. Maître Joao, c'est vrai que tout le monde doit vous traiter comme quelqu'un de normal. Là, je trouve pas le mot là. Oui, c'est vrai. Alors traitez-moi comme un marin normal, nord standard. Check-in. Est-ce que 8h ça vous paraît une bonne heure pour vous réveiller? Non. À quelle heure tu veux te réveiller? Hop. Ouais. 10h du soir, c'est bien. Bon, faut qu'on aille voir la daronne. Elle va nous filer des sous, la daronne. C'est là qu'il faut rentrer? C'est fermé. C'est pas là alors. C'est là. Ah, c'est elle.
Oh, Joao, je ne peux pas comprendre pourquoi ton père t'a interdit de rentrer dans la maison. Ne vous inquiétez pas, mère. Je promets que je trouverai le secret d'Atlantis et je serai de retour. I'll be back. Madame, tous les membres de la famille Franco doivent aller en mer un jour ou un autre. Enfin. Puis j'ai l'impression qu'il y a des problèmes entre le capitaine, je veux dire le duc et certains nobles. Je suis d'accord. Il y a eu quelques arguments avec ce noble, Martinez. C'est ça le problème. Si c'était pas pour Martinez, le duc irait chercher le secret d'Atlantis lui-même et Joao pourrait rester là. Et c'est pour ça qu'il a voulu qu'un autre capitaine prenne sa place. Oh, c'est comme si tu lisais dans les pensées du duc. C'est parce que je connais le duc depuis. Je sais pas. Depuis longtemps, on va dire. Voilà. Il y a de ces termes-là, putain, mais. Il se doute pas que c'est pour les enfants, les jeux vidéo. Ils se sont pas dit que ça poserait problème un peu. C'est bon, deux, trois textes, je veux bien, mais là, putain. En plus, c'est du jargon de l'époque, quoi. Donc, déjà, là. Merci. Ouais, ok, je vais envoyer le garçon à apprendre. Voir le monde, on va dire. Ok. Non, mais là, il y a des trucs que je comprends pas, là. Je préfère passer parce que sinon, là. Si c'est le cas, je te fais confiance pour veiller sur mon fils. Ok, blablabla. J'ai entendu que Lucia qui avait beaucoup d'argent, qui n'avait pas beaucoup d'argent pour le voyage. C'était si soudain, j'ai pas pu tout préparer, donc veuillez prendre ceci. Veuillez prendre ceci. C'est une. Ah mais oui, d'accord, elle donne pas d'argent, du coup elle me donne un truc pour revendre. C'est une tiare aquamarine que ton père m'avait donnée. Oui, vends-le autant que tu peux, mais ne le dis pas à ton père. Maintenant, Joao, mon seul fils, tu mets pas du tout la pression, mon seul fils. Si tu meurs, il n'y aura plus de dynastie. Je ne te mets pas la pression. S'il te plaît, fais très attention. Que ton voyage se fasse avec un temps clément. Ça parle beaucoup quand même. Je regrette le promis ou ça parlait pas trop. Là, ça parle un peu trop là. Bon, j'imagine qu'il faut que je dorme maintenant. Ouais, on va bientôt partir. Allez. Hop. Ah ouais, il parle un peu trop. Non, mais moi, c'est surtout le jargon qui. Leur jargon, là, je comprends rien. C'est. Pourtant, j'ai l'habitude de lire de l'anglais, mais là, putain, non. Là, ça te fout une grosse claque, là. Est-ce que notre navire est enfin prêt? Tiens, si c'est pas Rocco! Eh oui, c'est moi. Oui, il est terminé. Je l'ai construit exactement comme le duc me l'avait ordonné. Ok, c'est un latin, ok.
tout comme celui où qu'il avait navigué la première fois. Son nom est l'Hermès 2. Ok. Bon, là, ça parle de jargon, de navigation, c'est... Faut pas trop m'en demander, hein. Felipe de la société de la Terre ronde te cherche, vous cherchez. D'accord. Je me demande ce qu'il veut. Je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est Felipe. Est-ce que c'est que ce truc de la Terre ronde? Je sais même pas ce que c'est. On va checker tous les bâtiments, on verra bien. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ok, bon, laisse tomber. Bon, ça c'est pour acheter des armes. Je sais pas si j'ai des sous pour ça. Bienvenue, maître Joao, j'ai quelque chose pour vous. Pour moi. Marco est venu ici et il m'a demandé de vous donner cette rapière si vous vous arrêtiez ici. Ça a déjà été payé, donc veuillez la prendre. Et n'oubliez pas, une arme est inutile si vous en équipez pas. C'est pas faux. Ouais, non, ça on s'en fout. C'est quoi? Ouais. 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 Ça doit être là alors. Item. Rapière. Voulez-vous la porter? Ouh, l'interface, là, je vais avoir un peu de mal. C'est ça le truc de la Terre ronde là, je sais pas trop quoi. Ah oui, c'est ça, Felipe de la Terre ronde, la société de la Terre ronde. Je savais que vous pouviez le faire, maître Joao. J'ai entendu dire que vous aviez quelque chose en tête, c'est quoi? Eh bien, j'ai quelque chose à vous demander. Enrico, professeur Enrico. Veuillez venir ici, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Le professeur Enrico enseigne à l'université de Lisbonne. Il a je sais pas quoi. Il a un diplôme, on va dire. Il a un diplôme de philosophie. Maître Joao, étiez-vous au courant que l'université de Lisbonne... est en train de mettre au point un système d'échange de savoir avec des étudiants à l'Est? Putain, c'est chiant, là. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais nous voudrions que vous l'emmeniez... Sipanku, ça me dit quelque chose, Sipanku. Vous aviez dit Sipanku? J'ai entendu dire de mon père que c'était une île maléfique, loin à l'est, que Marco Polo a écrit d'ailleurs dessus, mais... Mais il n'y a aucune raison que je puisse faire ça maintenant. Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais quitté la terre d'Iberia. Je me pose ce que c'est. Mais il y a tellement à apprendre de.
des habitants là-bas? Et puis il y a des gens qui attendent que je leur enseigne, que je leur fasse cours là-bas. Ok. Putain, m'arrête de parler, quoi. Putain. Ouais, il a toujours voulu aller là-bas. Mais j'ai besoin d'y aller un jour. Enfin, j'aurais besoin d'y aller un jour. S'il vous plaît, emmenez-moi à Zipangu. Okay, c'est où Zipangu? Attends, je vais sauvegarder parce que j'ai peur que ça replante. Donc, bon, si vous voulez vraiment y aller à ce point, j'imagine que je ne peux pas refuser. Mais je ne sais vraiment pas, je ne pourrais vraiment pas dire combien d'années cela prendra. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? Je veux dire, une promesse comme ça. Eh bien, Zipangu est peut-être trop loin, mais si nous y allons petit à petit, jour après jour, nous pouvons y arriver. Ouais. Tu marques un point. Attends. Non. Allez. Faut ressortir, je pense. Faut aller dehors. Voilà, sauvegarde. Je vais regarder où c'est. Je vais faire une sauvegarde rapide, juste au cas où. Juste au cas où. Ça me dit quelque chose, Zipangu. C'est quoi? Ah! D'accord. Ah ouais, c'est... Oui, d'accord. Attends, fais voir de plus près, là, parce que... Mais attends, mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'ils me foutent ça, là? D'accord, ils me foutent... Ils me foutent un bout de carte et au final c'est même pas là, quoi. Putain, mais merci Wikipédia, quoi. Connard. Putain, c'est pas clair leur carte là. Putain, ça ressemble à rien, quoi. Attends, je vois pas bien là. Je pensais que c'était. Je pensais avoir compris, mais non, en fait. Ouais, c'est du côté du Japon, quoi. Si je comprends bien. Ouais, apparemment, ouais, c'est... Ah, mais non, mais c'est le Japon! C'est le Japon, c'est pas une île à côté du Japon, c'est le Japon. Zipango, c'est le nom chinois du Japon. D'accord. Effectivement. C'est le Japon, c'est le nom chinois, quoi. D'accord, c'est le Japon. Ok. Ah, ça a pas planté. Cool. C'est bien, ça a pas planté. D'accord, bah, en fait, on va au Japon, quoi. Ça tombe bien, comme ça on pourra rapporter une figurine. On pourra aller faire le tour des. on va faire le plein de figurines. Du coup, bah, faut qu'on se barre. Je sais pas. Ah, j'ai pas dit au revoir à Lucia et Carlotta. Alors, c'est quoi le plan? Eh ben, j'avais pensé mettre les voiles. Enfin, naviguer de port en port. Ce n'est pas un plan de très brillant. Oui, mais bon, il faut bien manger, hein, parce que bon, faut bien s'arrêter de prendre des vivres, hein, connard. Pourquoi pas? L'or. Sushi party, bordel. Ah, mais j'avais pas compris, en fait. Ouais, c'est le nom du Japon, quoi. Ok. L'eau est gratuite, mais... Vous allez être
époustouflé de voir combien ça va coûter pour nourrir un équipage. Vous voulez dire que cet argent ne sera pas suffisant? Ah ben complètement oui. Au mieux, nous te tiendrons un mois. Ouais, ok, mais de toute façon. Spoil, t'as pas pris l'histoire la plus simple. Ouais, d'après ce que je comprends, ouais, du coup, faut qu'on trouve le secret de l'Atlantis, enfin de l'Atlantide, et puis. Et qu'on aille au Japon. D'après ce que je comprends, donc. Mais tu es sur le bon chemin. Naviguer de port en port est un bon début cependant. Mais oui, on va se faire de l'argent, mais oui, mais comme dans le premier, on va se faire des couilles en or, putain, tu vas voir. Ouais, dans le premier, au final, on s'est fait des couilles en or. Hein. Donc, on était toujours plein. On pouvait même pas dépasser 60 000 pièces, je crois que c'était 60 000 le max. Putain, on pouvait jamais dépasser, quoi, j'étais dégoûté à chaque fois. On s'est fait des couilles en or. Bon, on avait quand même perdu 2-3 fois quand même au début parce que bon. Ah, voilà un gars qui utilise son flair. Ouais, ça par contre, ouais, c'est pour ça qu'il faudra se renseigner de port en port à chaque fois. Savoir ce qui est le plus rentable à acheter et ce qui est le plus rentable à vendre. Et dans quel coin et les vendre ou acheter. Eh bien par exemple, nous pourrions acheter des biens en particulier à chaque port. Comme à Lisbonne, apparemment. Hein, apparemment, acheter du sel, c'est ce qu'il y a de moins cher. Ok. Je suis un professeur de philosophie. Donc je sers à rien. Mais le sujet de l'économie me fascine. Oui, parce que ça sert au moins à quelque chose, ça, les leçons d'économie, au lieu de faire des leçons de philosophie, que ça sert à rien. Qui a dit ça? C'est pas moi. Moi j'ai rien dit. C'est un hobby d'étudier le marché. Si nous pouvions acheter du sel pour 40 pièces chacun, tu devrais pouvoir le vendre. Au moins à 60 pièces à Séville. Ah ouais, du coup on se ferait 20 pièces on se ferait 20 pièces de marge pour chaque unité du coup. C'est intéressant. Et si nous achetions de la fameuse porcelaine de Séville, nous serions capables de le vendre à un bon profit à Lisbonne. Ah ben voilà, déjà pour commencer. C'est ce que nous appelons une route commerciale. Les bons marchands connaissent plusieurs routes. Je vois. Ouais. Ouais, là j'avoue que ouais, on pourrait commencer par ça déjà. Acheter du sel à Lisbonne, le revendre à Séville, et acheter de la porcelaine à Séville pour la vendre à Lisbonne. Mais ça va durer un temps, hein, parce qu'au bout d'un moment, le marché va baisser, donc. Ça, ils disent pas par contre ça, et il faudrait le prendre en compte, hein, parce que. C'est une tête pour les noms, pourquoi tu le ferais pas devenir. C'est quoi ça? C'est un trésorier? Bookkeeper? Bookkeeper, ça va être quoi? Ça va être un. Bon, on va dire oui, je pense que ça va être un genre de trésorier. C'est pas une mauvaise idée. Bienvenue dans l'équipage, professeur. Ah, c'est con maintenant, t'as été enrôlé, maintenant tu peux plus partir. Donc le Japon, ben. Hop, le Japon. Tu n'iras pas au Japon. Voilà.
Alors, où c'est qu'on en est? Ah, il a quelques bonnes idées pour concernant les prix dans les ports. Ok, blablabla. Oui, bah c'est bon, d'accord. Je connais déjà le premier, j'ai déjà fait le premier, donc c'est bon. Je pense que je vais arriver à me démerder quand même. Alors, j'imagine que c'est là qu'il va falloir acheter les marchandises. Peut-être pas. Comment je peux vous aider? Acheter des biens. Investir. Non, investir sûrement pas. Ah, je dois payer 20% de taxes. Putain, mais on est en France. Je savais pas. Je savais pas que Lisbonne c'était en France. Putain, 40, 45, hein, c'est pas 40, c'est 45. Les enfoirés. Ce prix est acceptable. Ok. T'es sûr qu'on peut pas négocier un peu? Ah, je peux pas le vendre à ce prix-là, mais pourquoi pas à 44 pièces. Eh, tu peux pas m'avoir là. Tu ferais déjà un bon profit, même si tu le vendais à 42 pièces. Ok, j'abandonne. Je vous le vends à 42 pièces. Ok. Je suis de droite. Je m'appelle Joao. Je suis membre. Je suis fils du duc Léon. Duc de Lisbonne, et je suis de droite. Je fais du vache raquette. Ok, ça c'est bon. Voilà, du coup, on n'a pas beaucoup de monde. Je sais même pas si on a de l'équipage là. Donc là, déjà, on va pas coûter cher en bouffe. Bon, on va aller voir vite fait Carlotta et Lucia, vite fait. Est-ce que tu voudrais du thé? Mais non, ça on s'en fout, ça. Moi je dis au revoir, c'est tout. Ah, le jour commence à... Attends, comment on se barre d'ici là parce que... Ouais, bah ok, mais comment on se casse? Ah, c'est d'accord, faut aller voir lui pour. Ok. Fais voir les ressources là. Bon, on a de quoi manger, ok. Ok, on met les voiles. Bah, je pense que ça devrait aller, hein. On n'est pas nombreux, hein. Oh putain! C'est où ça? C'est le port de Séville. Ah! Tac, j'imagine que c'est ça pour accoster. Ouais. Capitale de l'Espagne. Le marchand. Apparemment, il peut nous donner un ou deux conseils, apparemment. Tu
suffit bien d'écouter. Il y a plusieurs choses que tu devrais garder en mémoire. Ouais, quand on te propose un prix, tu peux dire non pour essayer de négocier, quoi. Ok. Ouais, ne remplis pas les cales si t'as pas de place pour la bouffe et l'eau, quoi. Oui, c'est pas con. Ok. Vendre des biens. Tac. Nous avons rien d'autre à vendre. Acheter des biens. Ah, 20% de taxes, putain. La porcelaine. Ce prix est acceptable. Oui, mais non. Je t'en propose 100. Je peux pas le vendre à ce prix-là. Mais pourquoi pas à 111? Ah, 106 pièces. Ok, je te le vends à 106. Ouais, ok. Je prends. Mais ça va durer un temps. À un moment donné, il faudra partir. Parce que, faut que je fasse attention au prix du marché aussi. Parce que la route commerciale, elle va durer un temps. Hein. Au bout d'un moment, il a dit, l'autre, il me rapporte de la porcelaine encore. C'est bon. J'en ai déjà bien assez, donc. Encore un mec qui va me donner un conseil. Ouais, ok. Ouais, d'abord, tu as besoin d'un équipage en bonne santé pour manier le navire. Ok. Tu peux engager des hommes dans les cafés. Ça, comme en premier. Tu as besoin de nourriture et d'eau pour ton équipage. Oui, c'est pas faux. Tu peux en acheter dans les ports. Tu as besoin d'un capitaine à chaque navire. Ok. Ouais. Mais ça, on sait déjà tout ça, quoi. On le sait déjà. Bon, bah, c'est bien pour ceux qui découvrent le jeu et qui n'ont jamais fait le premier, par exemple. Mais. En gros, tant que tu as de l'équipage, des vivres et des capitaines, tout ira bien. Ok. On crèvera faim si on part sans provision. On n'a plus rien déjà? Ah, effectivement. On va charger. On va mettre à 10. On n'a plus de place. Ah! Bah si, on a de la place. Ah, ta 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 ta. On n'a plus de place dans les cales? Non. Ça m'étonnerait. Hein. On n'a pas d'argent. Ah, là, d'accord. Mais putain, mais on s'en fout, ça c'est quoi ça? Attends, il y a un problème là, j'ai plus de place. Enfin. J'aurais dû acheter de l'argent, j'aurais pas dû prendre autant de marchandises. J'étais con. C'est fermé. Oh putain. Putain, je commence bien là.
Bon, heureusement que c'est gratuit, l'auberge. Tant pis, je vais revendre un truc de porcelaine, tant pis, hein, c'est pas grave. J'étais con. J'étais con. Je vais en vendre 4, tant pis. J'étais con. J'ai pas pris en compte ce qu'il avait dit justement de faire attention à la bouffe quoi. Mais je pensais pas que vu qu'on est. On doit pas être nombreux. Je sais même pas combien on est en tout. Ah mais y a quand même de l'équipage. Ah oui, effectivement. Effectivement. Ouais, là c'est à. Je pensais qu'on était vraiment pas nombreux quoi. C'est pour ça. Ah, effectivement, là c'est un problème. Dix-neuf pièces, ok. Là. Bah, point honnête. Merde, je suis con. C'est là qu'il faut mettre les voiles. Pourquoi ils m'ont foutu autant d'hommes? Ça, il n'y avait pas besoin d'autant d'hommes. Parce que là, honnêtement, je compte pas combattre pour l'instant, donc. Navire turc. Ça c'est qui? Marchand turc. Bon, on s'en fiche. Merde, tiens, y a pas besoin de. Ça c'est le réflexe que par rapport au premier, à chaque fois quand tu donnais une direction et après il fallait valider avec avec le bouton. Je sens que ça va être long là parce que. Histoire de se faire un petit peu d'argent, de remplir les cales de bouffe, ça risque d'être long à mon avis. Alors, vendre des biens. Mais attends, déjà je vais remplir mes cales de nourriture et d'eau. Qu'on soit tranquille. On est prêt pour le prochain voyage. Là, on est prêt. Acheter des biens. Non, pas ça. Non, 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 non. C'est ça que je veux. Non, je ne l'achète pas à ce prix-là. Je te l'achète. Je propose toujours 40 pièces. Ouais, non, non, là tu m'auras pas là. Alors, là on remplit. Tac. Ok. Là on peut mettre les voiles. Je sens que le début va être long pour la mise en place, histoire de se faire 2-3 piécettes, ça va être long. Faudrait que j'écoute un peu les habitants de savoir ce qu'ils ont, s'ils ont pas quelque chose à me dire. Voilà, c'est pas mal.
Je sais pas s'ils nous parlent ces gens-là. Ah oui. Putain, mon truc, il t'apprend des choses, quoi. Christophe Colomb a mis les voiles depuis son port en 1492 avec le soutien de la reine Isabella Ier. Mais je pense qu'il faut aller à l'auberge pour ça. Enfin, la taverne. Je pense qu'ils m'apprendront rien du tout. Tu dois être nouveau ici, c'est un plaisir de voir des nouvelles têtes. Oui, mais on peut toujours les coups. Je vais peut-être aller voir tout le monde du coup, parce que... As-tu déjà utilisé la commande assignée à équipage? Non. Ah ouais, parce qu'il y a différentes... D'accord. Ah ouais? Ah, je savais même pas. Mais je veux pas recruter, moi je veux avoir des infos. Coûte 4 pièces par service. Combien tu vas en acheter? Est-ce que tu as été à Tunis? C'est à 37 degrés nord, 10 degrés est. Ah, on peut acheter du fer. D'accord. On peut acheter du fer, apparemment. Le fer doit pas être cher. Pourquoi pas? Hello Crucial. Acheter des biens. Putain, 20% de taxes. Putain, on est en France quoi. Même Séville, c'est en France quoi. Putain. Non, je te l'achète pas à ce prix là. Je te l'achète à 100 pièces. 113, ouais, t'es arrivé toi. 106. 108. Ah, c'est passé à 108 cette fois. C'est plus à 106. Ça va pas durer le cirque là, parce que là. Va falloir que je me barre bientôt là. Mais non, pas là. Putain, mais il est con. Ah, niveau de navigation et de commandement et de je sais pas quoi, enfin, ça augmente quoi. Okay. h du soir. Oui. Là, tout est fermé à mon avis. Si c'est comme dans Elder Scrolls, 8h du soir, c'est fermé. Faudrait que j'interpelle un peu les navires que je trouve en mer, peut-être qu'ils peuvent me donner des trucs intéressants. Des infos intéressantes. Vendre les biens, porcelaine. Acheter des biens. Là, de toute façon, là, j'ai pris un peu plus de bouffe que les autres fois, donc là, on peut repartir en mer tranquille. Non, je te le vends pas à ce prix-là. Je te le prends. Allez. Parce que je suis un bâtard à 35 pièces. De toute façon, ça change rien de toute façon. Donc. Hop. Voilà.
Bientôt, je m'occuperai d'une boutique de prêteurs sur gage. Ah, c'est quoi? Je sais pas. C'est un objet rare que vous m'amenez, genre une photo dédicacée d'une star. Ouais, je vous en propose 1 €. Voilà. Je suis un prêteur sur gage. Alors, combien on va se faire cette fois? On va faire une sauvegarde. En cas que ça se passe mal. Cela, je vais vendre des trucs. Attends, remarque, j'ai pas été voir tout le monde. C'est fermé. Hein? Ouais. Ah oui. Ouais, du coup, ouais, c'est pas ouvert. Ah bah lui, il est ouvert. Putain, mais les armuriers, c'est des branleurs. D'ouvrir à 10 h du mat, tu parles. Ils ouvrent à 10 h du mat et après ils ferment à midi. C'est intelligent. Ah voilà, c'est pas mal là. Ah, peut-être bien. Bah je sais pas, parce que si ils travaillent pour la poste, ouais, ils seront ouverts lundi, mardi, un mercredi sur deux et un vendredi sur trois, quoi. Donc c'est la merde, quoi. C'est la merde. Là, je sais pas, ce que j'irais bien à Tunis, mais le problème c'est que, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut vendre de bien là-bas. Ça, je sais pas. Non, 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 non. Bah, quoique. Je sais pas trop. Là, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, là, donc. C'est pour ça que je sauvegarde, parce que là. Merde, je suis con, c'est là pour prendre de la mer. Ça, faut que je marque sur un... faudrait que je marque sur un bout de papier. Nous avons trouvé le port de Ceuta. Je sais pas ce que... comment ça se traduit en français. Ah d'accord, c'est comme ça que... Ok. Ouais, c'est pas léger ça? Peut-être pas remarqué. Est-ce qu'il y a une taverne là? Je veux savoir qu'est-ce qui vaut le coup là. Donner un cadre, sûrement, non, sûrement pas. Demander des infos. Ça, on s'en fout. Raconter des histoires. Ah non, c'est d'accord, c'est nous qu'on doit lui raconter des histoires, d'accord. Bah, t'as rien découvert. T'as découvert rien de plus que le bout de ton nez. Ok. Putain, toi, tu démarres mal déjà, là, ma cocotte, là. Tu vas redescendre déjà. Ça, je sais même pas pourquoi il me demande ça. Combien je vais en payer? Ben, croyez quoi là? Je vais faire la tournée générale là. Il est arrivé lui. Et tu es allé à Kaffa. 45 degrés nord, 34 degrés est. C'est connu pour son minerai de fer. Aussi.
Mais moi je m'en fous de ça. Enfin. Merde. Putain, j'ai passé comme un con. Bon, c'est pas grave. Ah. Mais du coup, là, je sais pas ce qui vaut le coup d'acheter là. Qu'est-ce qui vaut le coup d'acheter et qu'est-ce enfin, et où je peux le revendre au mieux? De l'huile d'olive, du poisson et je sais pas ce que c'est. Mais non, j'en repars, hop, 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 hop. Non, je t'achète rien. Hein. Fais voir l'état des cales. Ça, c'est quoi ce bâtiment? Ah, c'est pour faire des cons. Ah ouais, c'est pour les contrats. Ah ouais, j'avais oublié ça. D'accord. Ah oui, il faut que je fasse des quêtes. Enfin, des contrats. D'accord. Ok. Je vais retourner à Séville, je vais acheter un maximum de porcelaine et puis je vais tout revendre à Lisbonne et puis je vais accepter un contrat de là-bas. Parce que là du coup je sais pas dans quoi je m'embarque là donc. Ah c'est la merde. Ah ça j'avais pas pris en compte ça. Et oui avant t'avais juste allé voir le marchand et il te disait voilà j'ai besoin que tu ailles me chercher tel ou tel truc. Là c'est ah, c'est un peu plus compliqué là. C'est un peu plus compliqué. Putain, il fait chier que ça taxe lui. Je te l'achète pour 10 pièces. 114. Putain, ça augmente. Ah, ça va durer un temps le bordel là. Ça dure qu'un temps ça. Ça, il faut que je trouve vite une autre route commerciale parce que là. C'est la merde sinon. Ça, c'est quoi? Sérieux? Tu peux mettre le pilote automatique? Sérieux? On est en chemin. Ok. Ah ouais, on peut mettre le pilote automatique. Oh les cons. Oh les cons. Oh les cons. Il y a un pilote automatique. Sans déconner. Oh là 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 là. Putain, c'est le futur là, c'est le futur. du coup, ouais. Je vais aller là. Qu'est-ce que tu veux? Hop, assignation de contrat, collecter des dettes. Délivrer une lettre. Ah, mais en plus, il y a diff... D'accord, en fait, c'est pas qu'une quête à chaque fois. D'accord, t'as le choix. Ou soit s'occuper des pirates. Ou je sais pas. Je sais pas, là. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder, et puis on va voir ça. Est-ce que le mode combat, là, à ce stade du jeu...
On a toutes nos chances, on peut avoir nos chances, mais j'y crois pas. J'y crois clairement pas. Pour commencer, c'est pas le mieux, je pense. De faire des pirates. Il y a tellement de pirates aux alentours ces temps-ci. Et ça commence à prendre cher au niveau des affaires. Je te paierai pour t'occuper d'un pirate ce mois-ci. Si tu t'occupes d'un pirate ce mois-ci. Ok. Si tu as complété la tâche, je te donnerai 10 000 pièces. Ah ouais, mais à mon avis, je vais me faire latter, hein. Mais encore faut-il que je trouve un pirate aussi. Parce que là, j'en vois pas, hein. Là, on va faire le plein de bouffe, là, parce que là, putain, en plus, on n'a plus rien, quoi. Hop, on remplit les cales, là. Ouais. Fais voir. Assigner l'équipage. Ah, j'en ai 5 au canon, 5 à la reconnaissance, 10 à la maniabilité. D'accord. Navigation. Bon, on va laisser tel quel. Ça, par contre, c'est bien ça. J'avoue que assigner l'équipage soit à la reconnaissance, soit à la maniabilité du navire ou. Franchement. Aïe. Chapeau, les gars. Là, c'est plus genre tu prends de l'équipage et puis voilà quoi. Plus t'as d'hommes, mieux c'est. C'est là, non, non, c'est là, tu vraiment faut les spécialiser après quoi. Ok. Ça, c'est. C'est. Franchement, ouais. Chapeau, les gars. Chapeau. C'est un marchand. Ils disent qu'il y a des pirates aux alentours, mais moi je vois personne. Je sais pas où c'est qu'ils voient des pirates. Hein. C'est quoi ça? Stowaway? C'est quoi Stowaway? C'est quoi Stowaway? Ah! D'accord. Un passager clandestin. Rocco, combien de fois je devrais te le dire? S'il te plaît, appelle-moi capitaine. Eh bien, si c'est pas une curieuse tournure des événements, je me demande qui est monté sur mon navire. Alors, c'est qui? Ok. C'est quoi ton nom? Quel jour on est aujourd'hui? C'est dimanche. Appelez-moi Domingo. Sans tu veux pas donner ton vrai nom. Bon, c'est pas grave. Ça demande du courage d'être un passager clandestin. Blablabla. Ouais, pourquoi pas faire rejoindre notre équipage, de toute façon. C'est ça ou c'est direct en mer, donc. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais de le laisser rester. Ok. Bah écoute, j'espère qu'il ne foutra pas la merde. Hein. Ok. Bon, ils sont où les pirates là? Ils disent qu'il y a des pirates, mais moi je vois rien. Hein. Je sais pas où ils sont leurs pirates là. Je vois absolument personne. Là-bas peut-être.
Qu'est-ce que c'est? Ah. Ouais. C'est des pirates, mais ouais, ils ont l'air assez nombreux quand même. Ça, c'est qui ça? Là-bas? Niveau 16 en navigation et niveau 30 en niveau de combat. À mon avis, ça va mal se passer. À mon avis, ça va mal se passer. Pirate Ilindeis, tes jours de terreur des 7 mers sont comptés. C'est toi qui seras celui qui va couler. Putain, ils sont nombreux. Non, non. Ah, propose un duel. Ok. C'est quoi ça? Oh là là, putain. On va essayer ça. Ah merde. Ah, je suis déjà mort direct. Sérieux? Bah putain. Ouais, ça aura pas duré longtemps, hein. Ah, tout le monde est mort. D'accord, bon, ok. Je suis mort, apparemment. Mais putain, mais. C'est quoi cette merde? Putain, je me disais aussi 10 000 pièces, ouais, c'était trop alléchant. Tu parles que. Allez, mais fous-le le jeu là, putain, mais. Mais on s'en fout, putain, mais c'est bon là, on sait qui c'est qui l'a fait le jeu, c'est bon, arrête de nous casser les couilles là. Putain, pénible ça là. Putain, personne ne le lit de toute façon, ça, tout le monde s'en fout. N'est-ce pas comme un explorateur, oui, effectivement. Je suis sûr qu'il lui aurait balancé sa longue vue, ça aurait été plus efficace. Mais je pense qu'il avait trop de niveau de toute façon. C'était trop demandé apparemment. J'aimerais bien voir son niveau à lui. Mais là je le vois pas. Je vois pas son niveau à lui là. C'est chiant. Ah voilà, info du personnage. Ah bah tu parles, oui, niveau 2 en navigation, niveau 1 en combat. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu m'étonnes qu'il s'est pris une branlée, mais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il s'est pris une branlée. Moi, je vais remplir les cales. Avec ça, ouais, 20, je pense que ça suffira. Ah ouais, là, ça m'étonne pas. Mais c'est abusé quand même. C'est abusé qu'ils te foutent un pirate de ce niveau dès le début, quoi. C'est abusé. Ils abusent un peu quand même. Alors, un job. Délivrer une lettre. C'est quoi délivrer une lettre? À la guilde au port d'Athènes. Ça doit arriver dans un mois. La banque à Venise et que je cherche quelqu'un pour aider à collecter. On peut essayer ça, ouais. On peut essayer.
On peut essayer, mais je sais pas si ça va être grandiose. Venise est quand même plus près qu'Athènes. C'est quand même plus près. Acheter des biens. Hop. Ouais. Fais péter la marchandise. Ça, c'est qui? Navire britannique. Attends, j'irais bien leur faire un petit coucou. Peut-être qu'ils ont des informations à. Bon, ok, on va te faire foutre. Ils sont cons, ces Anglais. Oui, il est drôlement rapide, lui. Navire turc. Ok. Bon, ça, de toute façon, le niveau de navigation, ça va pas être dur à monter. Le niveau de combat, par contre, ça va être dur. Je pense qu'il faut vraiment que j'évite les duels dès le début. Il faudrait que je coule des navires. Je pense que ce serait le mieux. Ça, il est 11h du soir, là, je vais pouvoir rien faire. Il faut que je dorme. C'est bien parce que là, le truc pour Venise, là, il n'y a pas de limite de temps, d'après ce que je comprends, là, donc. Le marchand. Le marchand. Vendre des biens. Ouais, tu me vends tout. Je pense que je vais remplir les cales là, de vivres. Parce qu'honnêtement, là, je saurais pas quoi faire maintenant. Donc, je pense qu'il vaut mieux que je remplisse les cales. Non, il faut que je prenne la mer, putain. Ça, j'ai genre du mal. Je vais avoir énormément de mal. Allez, hop, on prend la mer. Direction Venise. Allez, tourne! Putain, mais qu'est-ce que. Ça, c'est le port de quoi, ça? Ah, le clandestin. Le clandestin, ça, on l'a vu. Bla bla bla, bla bla bla. J'aurais dû se regarder après. Blablabla, ça c'est le port de Valence, ok. Non. Non, non, on s'y arrête pas. Ça, ça doit être le port de Marseille. Ah non, c'est Barcelone, autant pour moi. C'est Barcelone, c'est pas Marseille. Ça c'est. Marseille. Ok. Hein? C'est un pirate? Non. Ça doit être. J'en sais rien. Génois. Non. Ben Venise, ça doit être là alors. Ah non, c'est Pise. Moi je suis pas loin, hein. Je dois pas être loin de Venise. Ça doit être là. Non, c'est Naples. Putain, mais c'est où Venise? C'est de l'autre côté? Ça c'est qui ça? Un marchand turc.
Ah. D'accord. Putain, toi t'es aimable, toi. Ah, on a trouvé un nouveau port, apparemment. T'as mis où le port de Venise? Il devrait être par là. Ça va être celui-là. Ah, voilà. Alors, putain, 4h du matin. Putain, mais... 4h du matin, on y voit quand même plein jour déjà. C'est magnifique. C'est magnifique. Faut que j'aille voir qui là du coup. Le mec de la guilde. C'est fermé. D'accord. Ça c'est quoi? Je crois que ça c'est pour réparer le... Enfin c'est le... C'est l'atelier naval. Enfin le chantier naval. Allez, on va essayer de choper un Nidoran. Ou un Pikachu. C'est un Pokémon. C'est là qu'il y en a un qui sort. Un Rattata. Oh putain. Je lâcherai ça sur les pirates après. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, mais c'est qui? Putain, mais il est con lui. Putain. Dis-moi qui c'est au lieu de me faire poireauter, espèce d'abruti. Peut-être qu'il faut que j'aille voir là. Ah, nous avons un client qui refuse de nous rembourser. Son nom est George Hegel. Ah, plat. Oh. Si tu peux rapporter ouais, les paiements d'ici un mois, on te donnera 5000 pièces. Oh, ça pue la merde. Oh, je sens que ça va être chiant. Et c'est qui ce George Hegel là? Attends, mieux pour savoir. Il faut aller à la table. Je suis sûr que c'est le chien. C'est toi, je suis sûr. Je suis sûr que c'est toi, George Hegel. C'est toi qui as pas voulu rembourser ta dette. Ta dette de croquette. Ouais, ça j'en suis sûr. Blablabla. Je m'en fous de ça, je m'en fous. Moi, je veux savoir qui c'est ce Georges-là. Investigation. Désolé, je suis occupé. Salope. Demander des infos. Ah. Quelqu'un dans le café doit avoir une idée. Putain. Je vais te péter la gueule. Connasse. Rencontrer. Hein? Blablabla. Je suis un marin vagabond. Ça c'est quoi? Mais je m'en fous de ça, putain. Oh, ça y est, j'en ai marre. Oh là 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 là. Investigation, connasse. Mais non, personne ne m'aide, putain. C'est qui ce putain de Georges? C'est qui ce connard là? Je sais même pas qui c'est, Georges.
Georges de la jungle, peut-être? Étudier? Non, non. J'aurais mieux fait accepter le job pour délivrer la lettre à Athènes, parce que là, ça m'aide pas, quoi. Je sais pas qui c'est, ce Georges. Contrat. Apprendre compétence? Tu veux apprendre la cartographie? Putain, l'apprentissage te coûtera 47 700 pièces. Mais il va te faire foutre. Il va te faire. Non mais il m'a pris pour quoi là? Je sais pas où aller là. Personne ne veut me renseigner, c'est génial. Oui, je sais que j'ai une mission, connard. Putain, mais ils servent à rien, c'est pignouf là, c'est pas possible. À mon avis, personne à l'auberge pourra m'aider. Hein. Ça m'étonnerait. C'est qui lui? C'est Domingo ça? D'accord. Voilà, je sais pas quoi faire. Je comprends rien, c'est chiant quoi. Putain, est-ce que c'est chiant? Mais je m'en fous de ça, putain. Je m'en bats les couilles. Demander des infos. C'est un secret. Putain, je vais te péter la gueule. Putain, mais tu vas voir. Tu vas être contente là. Mais bonne journée de la femme, connasse. Putain, si je te fous un cocard. Grosse conne là, putain. Putain. Ouais, c'est ce que je fais, mais ça sert à rien. Putain, l'autre là, je dois te foutre une journée de la femme avec un coup de boule dans sa gueule. Salope. Putain, il m'aide pas quoi. Trop du cul. Et ça, c'est quoi ça? C'est tout enfermé là. C'est quoi ça? C'est la préfecture? Branleur. Ça doit être des fonctionnaires, ça, forcément. Pour que ce soit tout enfermé, c'est que c'est des fonctionnaires. Ouais, je suis sûr qu'ils sont partis faire grève. Ah, on n'est pas assez bien payé pour rien foutre. Culé. Ça m'emmerde parce que là je sais même pas ce qui est le plus rentable à acheter ici ou à vendre et du coup ben là je pars à vide quoi. Je pars à vide, je remplis mes cales et puis voilà, enfin c'est... Voilà. Là c'est de l'argent qui travaille pas là. C'est de la merde. Je vais tenter ma chance dans les autres villes, on verra bien, hein, mais là... Ouais, on peut essayer là. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ah, c'est mal foutu. Hein. Ça, par contre... le système de quête, là, est vraiment mal foutu. Hein. Mais... Oh putain. C'est qui celui-là? D'accord, il a changé de gueule depuis? Non mais attends, c'est quoi ces conneries?
Je croyais que ça avait bugué. Oh, dommage. Je vais essayer la taverne. Je sens qu'ils vont pas m'aider. Je sais pas pourquoi. Rien compris. George Hegel est à Hambourg. Ah ouais, putain, Hambourg quoi. Oh, fait chier quoi. Putain, il faut que je refasse le tour quoi. En un mois? Je sais pas si je vais y arriver. Parce que ça a l'air de drôlement défiler vite les jours hein, en mer. Bon, niveau réserve, ça va. Oh putain, elle est con. Ouais, ça va trop vite. Bon, c'est abusé. Attends, je suis où là? Je suis où là? Parce que là, je vois pas où je suis. D'accord. Bon, marche, je suis con. Direct. Moi, je vais aller. Séville. Oh putain, l'ordinateur est encore plus con que moi, quoi. C'est pas vrai. Ouais, faut que je refasse le plein de bouffe et tout, là, parce que là... Faut que je refasse le plein. Ça devrait suffire. Tac. Putain, Hambourg quoi. Ah, c'est pas à côté. Hein. Ah, ça va être chaud là. Je sais même pas combien ça coûterait d'acheter un autre navire. Faudrait que je vois combien ça coûterait. Mais bon là, pour l'instant, on va pas s'emmerder avec ça pour l'instant. Alors... Putain, je commence à pas faire beaucoup de marge là. Ça va commencer à être plus rentable. Non. Remplis tout. Putain, ouais. C'est assez dur. Ah, mais c'est vrai qu'il faut lui parler. Putain, ça, j'aime pas. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs là, c'est le bordel.
Moi, je m'y retrouve pas là. C'est, y a trop d'interactions, il y a trop de. C'est chiant quoi. Oh, bah, le temps que j'arrive là, c'est mort déjà. En plus, c'est vrai qu'il faut que je les paye les gonzes là. Ça, c'est Bordeaux, je pense. En bourse, ça doit être par là. C'est pas ça. Ça va être ça, là. Ah non, c'est Amsterdam. Hambourg, c'est par là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais, Hambourg, c'est par là. Hein. Je veux pas dire, mais. L'Allemagne, elle est là, hein, donc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore, là? Je fais un détour par là, peut-être. C'est ça. Merde. Copenhague. Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi là? Non, mais il y a un problème là. Je trouve pas le port d'Hambourg, c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est ce que je me dis, ouais, mais là, putain. C'est quoi l'embrouille là? Il y a un problème là. Quoi cette merde? Oh, on a plus d'eau, on a plus de bouffe. Bah ouais, mais en même temps, connard, tu trouverais Hambourg enculé là. Putain. Putain, mais c'est quoi ce jeu de merde là? Allez, c'est bon, tout le monde crève, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Allez, on va faire un petit tour. Allez, hop. Voilà, que tout le monde crève. Rien à branler. Oh, cette merde. Oh là 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 là. Je vais faire une autre quête parce que celle-là, c'est de la merde. Et puis celle-là, c'est. Oh, on a perdu tout notre équipage entier. Oh, c'est dommage. Un connard. Quel dommage. Connard. Oh, ça pue la merde ce jeu là. Oh là là, ça pue la merde. Oh. Avec les autres qui sont, ils sont myopes les membres d'équipage quoi, ils voient rien quoi. Putain, ils sont myopes. On a 2 heures de jeu, je crois qu'on va arrêter parce que là ça me saoule. Ce jeu me saoule, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, c'est de la merde. On va arrêter là. C'est de la grosse merde. Attends, y a pas grand monde. Ça c'est quoi? C'est Resident Evil 4 remake.